parti pour la dernière des dernières pour ce qui sera bientôt l'ancien Longchamp Qatar Grand Handicap des Juments présenté par RMC. 2000 mètres à parcourir. Et on retrouve aux avant-postes le numéro 10, Graciously, avec à ses côtés maintenant le numéro 13, 50 Gold. Alors qu'Eddy Ardouin vient complètement en dehors, comme Franck Ilettori tout à l'heure dans le prix de l'Arc de Triomphe. Il est en selle sur le numéro 18, Miss Post Office, alors que l'on retrouve également le numéro 2, Astral Merit, au contact des premiers, Suprême. Et côté corde, Kazakh Blanc et Rouge, alors que La Petite Maison a été placée en dernière position par Pauline Prodo. Suprême, côté corde, qui est sur la ligne des pouliches de tête, avec Graciously qui vient son extérieur, Astral Merit qui est en troisième épaisseur, le numéro 18, Miss Post Office qui se rapproche, suivi par l'As Lady Zinad. Nous avons ensuite 50 Gold qui vient dans le dos des animatrices avec la présence un petit peu plus loin côté corde du numéro 11 à Khalil. Elle semble la favorite, se retrouve à l'arrière du peloton derrière le numéro 6, Rose of Glory. Et c'est pour le moment le numéro 9, La Petite Maison, qui est en toute dernière position. Suprême est en tête de course avec en deuxième position Miss Post Office, en troisième position Siluna qui voyage très bien, devant le 2 Astral Merit qui est quatrième, le 10 Graciously qui est cinquième, l'As Lady Zinad qui vient à l'extérieur, avec le numéro 16 Clear Mind qui est toujours à la corde devant 50 Gold, avec M. Surrey ou encore Lady Zinad, suivi notamment par le numéro 6 Rose of Glory. La favorite Hailstorm, le numéro 8, est en avant-dernière position devant le 7 Discrète et devant le 9 La Petite Maison. Suprême qui déboule en tête dans la ligne d'arrivée, Miss Post Office qui vient en deuxième position avec Siluna côté corde qui est troisième, Graciously venant un petit peu plus loin avec Astral Merit qui tente de progresser à l'extérieur, imité par le numéro 1, Lady Zinad. Et Siluna qui se rapproche, semble-t-il, très facilement à la hauteur maintenant de Suprême. Suprême qui tente de réaccélérer à la corde, mais Siluna qui a 250 mètres du but maintenant fait la différence devant Suprême, avec Astral Merit qui vient à l'extérieur et Lady Zinad qui refait du terrain. Siluna qui s'envole vers la victoire. William Mongil, Christophe Soumillon qui sont donc les derniers à s'imposer sur l'hippodrome de Longchamp. L'ancien Longchamp, Siluna s'impose, Game Surrey est deuxième, 50 Gold troisième, Astral Merit est quatrième. Et Christophe Soumillon qui n'avait pas encore gagné aujourd'hui, qui gagne la dernière aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. Très facilement, victoire du numéro 4, Siluna. La deuxième place pour le numéro 12, Game Theory, au dépens du numéro 13, 50 Gold. Et la quatrième place derrière pour le numéro 2, Astral Merit, 4, 12, 13 et 2. Voilà pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve. Et c'est donc Christophe Soumillon qui sera, messieurs, le dernier jockey vainqueur du Longchamp actuel.